Séisme, tsunami, vivre avec le risque. L'exposition itinérante du Palais de la Découverte fait escale à Bron jusqu'au 7 avril prochain. Une exposition pour mieux comprendre et appréhender la nature de ces phénomènes ô combien d'actualité. Un simulateur vous permettra même de ressentir les secousses telluriques de quelques séismes célèbres. Une animatrice et quelques jeunes visiteurs sont au micro de Morgane Rousse et Marion Berchet. La propagation des ondes, la fréquence de résonance des bâtiments, c'est des termes un petit peu complexes et abstraits. Donc les manipulations permettent de mieux comprendre et de mieux visualiser le phénomène. Quant à la partie simulateur de séisme, c'est vrai qu'il est totalement dans le ressenti du séisme et on comprend vraiment ce que les gens peuvent vivre. J'ai appris que les terres, ils étaient collés et puis ils s'écartent, ils bougent. Comme sécurité, il faut se mettre si vous êtes à l'école, il faut se mettre au-dessous des tables. J'ai bien aimé quand on a fait les trucs pour voir comment réagit la terre quand il y avait un tremblement de terre. Une exposition à découvrir donc au centre aéré de Bron, boulevard Émile Bollaert, jusqu'au 7 avril prochain et l'entrée est gratuite.